Quand ce joueur de football est arrivé pour jouer au Japon, un jeune garçon est venu lui demander un autographe. Lorsqu'il a obtenu l'autographe, le garçon a dit merci et a fait un geste de respect selon la culture de son pays, en inclinant la tête. Le joueur de foot a incliné sa tête en retour. Le match de foot commence. Alors que le joueur dribble le ballon, un joueur de l'équipe adverse le tacle violemment. L'arbitre lui accorde le coup franc. Le joueur, qui était un spécialiste des coups francs, se souvient soudain du geste de respect que le jeune garçon lui avait fait plus tôt. Ça lui donne une idée. Il reproduit ce signe de respect avant de frapper le ballon. Et soudain, les joueurs japonais qui formaient la ligne de défense se sont tous inclinés en retour. Et le joueur a frappé le ballon droit dans les cages alors que tout le monde était incliné. Le gardien de but japonais lui aussi avait la tête baissée. Donc, peu importe la situation, le respect est indispensable.